Je suis très honorée d'avoir été choisie pour être marraine de la conférence. Le réchauffement climatique est un sujet qui me tient beaucoup à cœur ces derniers temps et je suis vraiment très contente de pouvoir venir à La Réunion et de pouvoir parler à ce sujet et de pouvoir le partager. Voilà. En tant que réunionnaise, ça me parle énormément. Je pense que d'avoir grandi dans la nature, près de la mer et près de la montagne, du volcan, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je vois le changement à La Réunion. On connaît des cyclones très forts, les récifs coralliens aussi sont en danger et je vois la différence depuis certaines années. En fait, j'étais aux États-Unis quand il y a eu tous ces ouragans ces derniers mois et je me suis rendu compte que certaines îles n'étaient pas du tout préparées aux catastrophes naturelles comme ça. Saint-Martin, par exemple, je pense que les systèmes d'électricité, il y a beaucoup d'améliorations à faire et je pense que c'est bien d'en parler. C'est bien de faire une conférence ici sur les îles et de pouvoir parler des innovations, donner des idées, commencer à vraiment à créer des projets qui tiennent la route pour les prochaines années, quoi. That Réunion Island is really an example in terms of renewable energy, and that we are really on a good path right now, and that we can be an example to so many other countries or other islands, and I think we have a lot to share and a lot to give to other people. So it's really good that the conference is here and that we can talk about it and be prepared for the COP23 in November.